Bienvenue à tous, comment allez-vous les gars? Ouais, on est sur Stellario, la première game UHC host de TheGeek84. Hey yo, salut, comment allez-vous les amis? Aujourd'hui c'est la nouvelle vidéo sur Stellario pour le tout premier host de TheGeek84, un vrai UHC FFA avec plus de 150 joueurs dans la game. Holy shit, motherfucking whatever. C'est une partie qui s'est plutôt bien déroulée pour moi, c'était en direct live sur Twitch. Allez, venez là tout de suite, me follow, tout de suite, dépêchez-vous. Game vraiment classique, FFA, scénario, cut clean, en mode giga tryhard pour le coup. Juste avant que la game démarre, il faut que je vous montre un tout petit truc pendant quelques petites minutes. Alors, présentation très rapide du serveur GateMC, c'est un nouveau serveur PvP faction sous launcher, sous version 1.7.10 de Minecraft. Donc évidemment, les craqués sont acceptés. Ils ouvrent leurs portes le samedi 8 février à 15h, les gars. Vous savez que de base, c'est pas les launchers que je préfère, mais là, pour le coup, c'est incroyable. Ils proposent des trucs de fou. Surtout au niveau du gameplay PvP, ils se sont basés sur le style HCF, au niveau des debuffs, style PvP drop, etc. Déjà, il y a un vrai système de classement de factions, de joueurs. Il y a même de l'elo sur le serveur. Vous avez à disposition plusieurs commandes du style classement faction. Vous avez un classement solo pour les joueurs tout simplement aussi, ça c'est super cool. Et vous avez un classement elo comme je vous ai dit. Donc vous êtes directement classé sous des divisions. Donc là regardez, il y en a qui sont Anks, il y en a qui sont Charbon, on a des points de elo. Je crois que c'est une première sur un serveur PvP faction, c'est vraiment sympa. Il y a à gagner plus de 100€ PayPal toutes les semaines pour la meilleure faction. Vous avez des cosmétiques super stylés aussi sur le serveur comme vous pouvez le voir. Il suffit de faire la commande slash cosmétique, vous avez des oreilles de plein de choses. Vous avez des ailes de dragon, de métal, d'os, d'ange. Alors regardez les ailes de métal qui sont comme ceci. Vous avez la queue de dragon qui est vraiment stylé pour le coup. Là je vais vous montrer très rapidement les minerais etc sur le serveur. Voilà, ils sont tous ici, vous avez des blocs d'XP, la meilleure armure c'est du démonite. Les épées sont vraiment sympas je trouve, celles de base. J'aurai pas forcément besoin de faire des super packs, je trouve pour PvP elles sont super. Surtout ce que je vais vous montrer c'est les esprits. Donc c'est comme des popos en fait, vous avez l'esprit de vitesse qui par exemple vous donne 5 minutes de speed 2. L'esprit de force, il y a juste l'esprit de l'antifire qui vous donne un peu plus longtemps, 10 minutes. On va pas trop s'attarder ici, moi je vais surtout vous montrer les events qui m'intéressent le plus sur serveur. Ils ont fait des events complètement inédites, elles sont incroyables, mais vraiment pour le coup vous allez voir. Donc le premier event c'est la domination. En Warzone vous aurez un petit build comme ça, et en fait au milieu il faudra casser le corps et rester le plus longtemps possible. Et plus vous restez, plus vous gagnez des points de faction. Ensuite vous avez le faction battle, ça va être une giga tour comme ça dans la Warzone. Il y aura 4 cœurs à chaque extrémité ici, et en fait il faudra péter les 4. Dès que vous en pétez un, vous gagnez 2 cœurs max, mais ça s'accumule pas. Et une fois que les 4 sont pétés, vous débloquez celui du milieu. Il faudra également aussi le péter pour remporter le faction battle. Ensuite, on a l'anomalie. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a plein de minerais un peu partout. Il y a également aussi une giga tour sur laquelle il faut monter. Donc voilà, il y a des escaliers, il faut monter à partir de l'intérieur. Et là, pareil, il faut venir dominer en haut. Et la faction qui remporte l'event gagne tout simplement 5 minutes pour pouvoir miner tous les minerais qui sont autour. Là, déjà pour l'instant, on a que des events inédits, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment ouf. On va s'attaquer au dernier qui est mon préféré, la tour de l'enfer. Merde, vous avez pas grand chose, mais en gros c'est repris je crois directement de Hunter x Hunter. Et en fait il y a plein d'étages, il y aura en même temps du PVP et du PVE. Et en fait les factions qui feront le plus de dégâts débloqueront le prochain étage, et celles qui arrivent tout en haut remportent l'event. J'ai cette petite commande là plutôt mimi qui regroupe votre métier, le classement, l'équistrique, etc, c'est stylé. Je le répète, l'ouverture est le 8 février. Toutes les informations du serveur seront dans la description. Et puis allez, moi je vous souhaite un bon visionnage pour la vidéo. T'as un bug, t'inquiète pas, mais il est parti où? J'ai pas fait gaffe. Ah mon or, ah ouais, donne-moi bien l'or par contre. 11 or, c'est 11 or. Du diamant, c'est du diamant. Oh nice. On a au moins l'enchant les gars. Pète sa mère. Y a du diamant là-dedans, non? Oh, j'ai vu ma vie défiler sous mes yeux. Je tombais dans la lave, j'étais mort. Parce que j'ai du diamant. Parce qu'il y avait... J'avais pas de stuff, gros, là. Hop. Et c'est parti pour le minage d'Opsy. Ouais. Je crois que je suis le mec le plus enthousiaste pour miner l'Opsy. Bienvenue à tous, comment allez-vous les gars? Ouais, on est sur Stellario, la première game UHC host de TheGeek84. Je vais la jouer Snowball, Inch'Allah on fait une bonne game. Qui est connu dans la game? J'ai vu qu'il y a pas mal de mecs qui participent au privé de game. Sinon je crois à Skip Gil, il y participe pas, je crois, il commente je crois, non? Vous m'avez dit? Gap la joue, je sais pas. Ah ouais, il y a Gap? Ah bah il y a Gap aussi. Est-ce qu'il y a Narco par exemple aussi? Ouais, en gros, il y a tout, en gros, il y a tous les mecs des prises de game en fait. Pour la faire courte, il y a tout le monde. On va être bien, hein, on va vraiment la jouer Snowball. Hein. Hop, et on... Oh là là, le X-Ray! Oh le X-Ray! Le mec, mais c'est incroyable! Le filon. Non, pas de filon de 8! Non! Du coup, je me tape 7 diams sur le 2-8. Et avec 8, on faisait quoi en placeron? On était trop bien. Eh non, eh oui, eh yes. C'est un coup là, je vais retrouver un bon filon. Comme ça, je serai 3 quarts. Casque et plastron, et ça serait trop trop bien pour ma petite personne. Yes, ouais. Ah, je kiffe là, on a enfin des... Oh, nice. On a enfin des choses à faire. Ouais, mais regarde, voilà. Ah non, si c'est bon, je crois... Bah non, regarde, tu vois.
Là, je serais 3 quarts s'il n'y avait pas eu l'autre connerie là. Putain! Là, normalement, j'avais plastron et casque. Et du coup, j'ai plastron et ma bite. Waxen! Waxen! J'ai trompé ma pioche. Après, là maintenant, si maintenant tout de suite je trouve un filon de 8, je suis full games, les gars. Oh! Filon de 8, s'il te plaît. Ah, ça sera jamais 8. But! But! On va faire les jambières, les gars. En vrai, on va faire les jambières. Là, on est bien. J'avoue, là, j'avoue, on est bien. 4 diamants, je suis full. Ah, mais c'est vraiment une ligne de ouf là où j'étais, hein. En gros, sur une seule ligne, ouais, celle-là, là, j'ai 3 filons de diamants, frère. Oh! Oh! Mais cette ligne de fou, on va sortir full diamants au PVP! Allô! Mais c'est incroyable ce qui se passe, mesdames et mesdames! J'ai jamais eu autant de chance! Mais attends, à partir de quel moment, moi, dans ma vie, je suis déjà sorti full diamants pour le PVP? Depuis quand ça existe, en fait, ça, juste? Et avec cette pomme en or, en plus, mais c'est incroyable! C'est incroyable d'avoir autant de chance. Mais par contre, ce qui est chiant, c'est que quand moi j'ai eu beaucoup de chance niveau du minage, et bah je stresse un peu après. Genre, j'ai peur de tout gâcher en fait. J'ai peur d'avoir miné tout ça pour rien. Tu sais, je me dis, oh, putain, j'ai eu un full diamant, j'ai eu de la chance. Il faut vraiment pas que je fasse le con et que je fasse une bonne game. Et en fait, en me disant tout ça, nanana, bah je me mets la pression et du coup, je fais de la merde. Voilà, t'as des petits mecs normaux comme Rikos, le BG qui sont full diamant. Nice. Ah là, je joue pute, hein, les gars. Là, on n'est pas là pour rigoler, hein. Sharpness 4, Unbreaking 2. On n'est pas là pour rigoler, c'est un vrai UHC. Qui dit vrai UHC, on clean up, etc, etc. Hein. Il y a des mecs là-haut, on va niquer. Nice, un autre mort. Est-ce qu'il y avait des pommes? Waxen, Waxen. What? Il est parti où mon pseudo? Ah mais oui, ça a bugué. C'est vrai. Nice, y'a des pommes rouges là. Ok, on est full P2. Nice, nice, nice. Massacre, gros massacre. Pedro. Il va être en tueur, Pedro. Il va faire courir. Ah, nique sa mère. Enfin, je sais pas en vrai, parce qu'en fait j'ai peur de le laisser en vie maintenant, parce que si je le laisse en vie, il va commencer, en plus il fout diable, il va commencer à faire plein de kills comme moi, et après il va m'envoler plein de kills, ça va me saouler, et puis il va se stacker et ça va être trop long. Ah, c'est chiant ce genre de joueur, c'est impossible à truc. Il va me voler plein de kills, mais en même temps faut que je m'occupe ce genre de mec. Ah putain, allô ! Il lui manquait un coup. Ah c'est foutu lui aussi maintenant. Ah fait mal mon épée. Se mettre dans un endroit un peu clos.
Ah, s'il avait plus de heal, en gros, du coup, il est revenu jouer. Oh non! Karma! Ah mais il a fait un spec lui! C'était Bichat. J'ai que 7 gars par contre. J'ai quoi faire. Oh, j'ai quoi faire tellement de heal. Je crois qu'à un moment c'est la merde. Faut que j'aille me faire des pommes. Hein. Ouais, je pense que je vais aller me chercher des pommes rouges à un moment. Là, on va continuer un peu à essayer de se stack. On va continuer à snowball. Nice! Merci Naxor! What? J'ai crash? J'ai crash ou pas les gars? Non, je crois que c'est mon record qui a crash. Bichard, c'est un des meilleurs mecs pour fuir et bien jouer. Ça va très. Ça va vraiment être tendu en lui. Pour le coup. Ah, y'a trop de mecs chauds encore. Trop bien. Un peu de la merde là pour fight. Trop bien stuff. Ah merde. Il est trop bien stuff. Ça a rien. Ouais. Oh putain. Un chien. Un chien qui est maniqué, je sais pas combien de gap. Un chien. Oh là là, et lui qui. Oh là là. Il m'a bouffé combien de pommes, les gars? Vous avez compté ou pas?
Putain, et lui il a pas de gap quoi. Putain, lui il va m'en donner une dizaine aussi. Oh nice. Voilà. Tu me l'as donné cette dizaine. Il y a des grenouilles, il est chaud lui. Il a regardé, qu'est-ce qu'on a fait? Ah non, c'est fini. Oh, oh nice. Oh, s'il serait échappé. Oh nice, nice. Il m'a mis trop bien. Il m'a mis trop bien, ce malade. Et lui, je suis sûr, il a du P3 et tout. Vous avez vu comment il a. Oh là là, j'en étais sûr. Je vous ai dit, c'est maintenant que les mecs qui vont mettre trop bien. C'est les mecs qui sortent maintenant qui vont mettre trop bien. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Pokinop. Oh non, je voulais mettre un coup, il a pas de pomme en plus. Il a pas de cœur. Non. Non, je voulais le niquer. Vas-y, va prendre ce stuff. Il veut son stuff, Bichard. Il va me fighter. Oh, il a une Ender Pearl. Oh, l'enculé. Bon, tu me laisses mon stuff? Oui. Oui, my slide. Je te le laisse. Au final. Il reste plus que les mecs de les private game. Il reste plus que les privés de game. Fais trop ton pot. Mais c'est le pire fight. Je vais casser les fesses et on allait à un endroit de merde. Non. C'est pas mérité pour le coup, du coup je suis dégoûté. Je vais complètement claquer les fesses. Il s'est juste réfugié dans l'eau. Du coup moi j'ai voulu me barrer de l'eau vu que c'est un fight de merde. Et j'ai commencé le fight avec moins de cœur. Oh, ça me saoule.